Le PPCM, le plus petit multiple commun, ou le PPMC, le plus petit commun multiple. Donc on va déterminer le PPCM ou le PPMC des nombres 72 et 90. Alors, pour commencer, on va donc décomposer 72 en nombre premier. Donc 72 est divisible par 2. 72 divisé par 2 égale 36. 36 est toujours divisible par 2, on obtient 18. 18 divisé par 2 est égal à 9. Donc 9 n'est pas divisible par 2 mais par 3. 9 divisé par 3 égale 3. Et donc 3 est un nombre premier, divisible que par lui-même. Donc 3 divisé par 3 égale 1. Donc 72 peut s'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ou bien 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2. 90, de même, est divisible par 2. Étant un nombre pair, on obtient 90 divisé par 2 égale 45. 45 n'est plus divisé par 2, mais par 3. 45 divisé par 3, donc on obtient 15. 15 est toujours divisible par 3, donc on obtient 5. 5 est un nombre premier, divisible par lui-même, donc 5 divisé par 5 égale 1. Ce qui nous permet d'écrire 90 est donc égal à 2 fois 3 fois 3 fois 5. Ainsi, on peut écrire donc 90 est égal à 2 fois 3 exposant 2 au carré fois 5. Pour déterminer le PPCM du nombre 72 et 90, on va prendre donc tous les nombres premiers correspondants, donc composants 72 et 90, mais on va prendre uniquement que les nombres premiers avec les puissances les plus élevées. Par exemple, ici on a 2 puissance 1, 2 puissance 3, on va prendre donc 2 puissance 3. Fois nombre premier suivant qui est 3, donc là on prend uniquement le 3 au carré. Et ensuite on prend le 5 puisqu'il n'est pas encore là, donc on prend également le 5. Donc on calcule ça. Donc 2 puissance 3, donc ça fait 8. Fois 3 puissance 2, ça fait 9. Fois 5. Donc on arrive ici donc à 72. 9 fois 8, 72 fois 5. On arrive donc à 360. Ainsi, 360 est le plus petit commun multiple à 90, 72. Donc ça veut dire que 360 est divisible par 90. Donc 360 divisé par 90 va être égal à 4. Et 360 divisé par 72 va être égal donc à A 5. Ainsi, nous avons déterminé le plus petit multiple commun à 90 et 72, qui est donc 360.